Alors, je vous présente l'alchimie. Elle a été nommée comme ça parce que il est dit que les alchimistes utilisaient les perles de rosée que l'on voit ici, qu'on le retrouve tous les matins sur la chimie, pour faire leur préparation. Mais là où elle est magique, cette plante-là, en fait, c'est pour soutenir la femme. Plusieurs de ses autres noms, allemands ou anglais, veulent dire « cap de la femme » ou « cap de Notre-Dame ». Donc, ce qui enveloppe la femme. Et ce qui est très superbe, en fait, comme lorsqu'on voit la forme de sa feuille, c'est que c'est vraiment une coupe. Et l'alchimie, en fait, c'est une des meilleures toniques pour l'appareil génito-urinaire, mais aussi tout le plancher pelvien. Alors, on va utiliser cette plante-là pour tonifier le périnée, tonifier les ligaments, tonifier l'utérus après un accouchement, par exemple, et aussi pendant la ménopause. C'est une des plus grandes alliées de la femme, je dirais, avec le framboisier. Pendant la ménopause, c'est une des meilleures plantes à prendre tout le long de la préménopause, lorsque les menstruations deviennent très, très abondantes, pour diminuer les saignements abondants. Ou à tout autre moment, lorsqu'il y a des menstruations abondantes, l'alchimie va être utilisée tout le long du mois pour diminuer, pour prévenir en fait les hémorragies utérines. On prendra au moment de l'hémorragie d'autres plantes qui vont être plus efficaces, mais cliniquement, j'ai remarqué qu'en prenant l'alchimie tout le long du cycle, lorsque les menstruations apparaissaient, elles étaient beaucoup moins abondantes. Alors, fantastique allié de la femme à prendre après un accouchement ou si vous avez tendance à avoir des saignements abondants et surtout, surtout pendant la ménopause. Alors, à découvrir.